Sôm mạnh chơi nhận quý chô. The president, please be seated. Le président, l'audience est reprise. The trial chamber is now being in sessions to hear the facts. Nous allons maintenant the implementation lire, of the party policy at S21 and de la politique du PCK à the trial chamber give the floor to Judge Lawrence to continue to question the accused. Continuer à poser des questions à l'accusé. Judge Lavergne. Donc, so, ce matin, nous avons parlé des statuts du Parti communiste du Kampuchea. CPK, the Communist Party of Kampuchea. Sauf erreur de ma part, vous avez dit précédemment que ce document avait été étudié lors de formations. Est-ce exact during ou non? Training programs, that people had studied this document during training sessions. Is that so? The accused, yes, there was one training session. Oui, il y a eu une séance de formation. By the general staff. Qui a été organisée par l'état-major. Il y a au point 6 des statuts, dernière phrase, une phrase qui se lit de la façon suivante en français. Le parti doit protéger la révolution au maximum de toute action, des stratagèmes des ennemis, de manière directe, indirecte, as well as in an indirect ouverte way, in an open, et secrète, as well as in a secret way. Visant à, à détruire le parti par tous les moyens. Tous les organes ANCAR et les membres du parti doivent être bons, propres, purs, en politique, en mentalité et en commandement. En permanence, à travers leur biographie propre, pure, tout le long, continuellement. Alors, est-ce que cette version française correspond à la version Khmer? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la signification de cette phrase, to the de ces phrases. Of these, sentences. The accused, your honors. L'accusé. The interpretation. It's a little difficult to understand from the beginning, but it was not deviated from the meanings. But it was not far deviated from its original meaning. Mais le sens était proche de l'original. In conclusion, in the last sentence, the terms were are correct to the version. Correct dans la version Khmer. As for the explanation and description, à propos de l'explication et de la description, this matter, it is the functioning of the CPK. C'est la façon dont fonctionnait le Parti communiste du Kampuchea. If we are talking about the class of the party member, it started long time ago. Si nous parlons des membres de la classe composée des membres du parti, c'est quelque chose qui s'est qui a commencé il y a longtemps. And when we are talking about the element in the party to make it pure, it started from 1973. It is the important point from then. Et ça, c'était un point important.
I told Your Honor subsequently, since the investigating stage, investigation stage, et même à la phase de l'instruction, the term was used. Any political, the line of any class, it is the line for that cadre. Et la ligne à suivre pour la classe politique était la ligne des cadres. This matters, and at this time, it reflects clearly that once again, ces choses that nous montrent clairement, encore une fois, they thought about each party number based on the life view and the pure stance of the revolutionary. Et d'une position puriste de la part des révolutionnaires. It means that in each year we had to go to the train session and our biography were reviewed once a year. Et notre biographie était revue une fois par an. In each session a year, dans chaque and séance our revolutionary annuelle, life view were also reviewed. Notre vie révolutionnaire aussi était revue. Our revolutionary life views were also reviewed every year. Donc notre autobiographie était revue une fois par an. Je voudrais insister sur la signification de la phrase suivante. Le parti doit protéger la révolution au maximum de toute action et stratagème des ennemis de manière directe, indirecte, ouverte et secrète. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de manière directe, indirecte, ouverte et secrète? The accused is Your Honor in Khmer. Let me try to tell you in French. Essayez-moi essayer de vous expliquer cela en français plutôt qu'en Khmer. Le parti doit être vigilant au maximum que possible. The accused. The party must have high level revolutionary vigilance. As for all activity and all tactics of the enemies, direct or indirect, tactiques employées par l'ennemi, qu'elles soient directes ou indirectes. For example, has direct tactics, the attempt to kill Pol Pot, it is considered as the activity to directly destroy the party. Ça, c'est une activité directe qui cherche à détruire le parti. Any activity to destroy the revolution indirectly, for example, détruire la révolution de façon indirecte. They collected the war spoil from Phnom Penh and they took those equipment and war spoil à Phnom Penh for personal use. Et ils les ont pris et les ont utilisés à des fins personnelles. And in secret, let me give an example. Et ils ont fait ça de façon secrète. Laissez-moi vous donner un exemple. In secret,
For example, we are planning to, to have a plan. Nous décidons de, d'avoir circulate un plan. The flyer. Et nous, nous décidons de distribuer un pamphlet. In open, so in public, is someone come and to curse, for example, Tonin and another person named Saul, went up and cursed to the senior leader, and later were arrested. Par la suite, un dirigeant serait arrêté. Let me try to speak again. Laissez-moi redire ce que je viens de dire. There was one of the cadre. His name was Tonin in the regime 650. Tonim. His name was Tonim, and he walked around and cursed. Et mettons qu'il se déplace et qu'il dise des mauvaises choses, qu'il jure. And he curse Pol Pot, call him as a contemptible sot, and sot he referred to Salot Sot. Un méprisable sot, et par ça il entend le méprisable Salot Sot. And he cursed Son Sen as a contemptible kill. Son Sen kill was Son Sen. Puisque Q était Son Sen. And it was overheard by those people. Et mettons que ces personnes entendent cela. Tonin was arrested and sent to S21. Et Tonin a été arrêté et envoyé à S21. This is called to protect the party from against the enemy tactics, including secret or ennemis, open, y compris les tactiques in open manner, secrètes et ouvertes. In order to be precise, I would like to tell you précis, about our communication with Son Sen. I and Son Sen. Les communications que j'avais avec Son Sen. In general and regularly, every party's member was reminded to be vigilant, to have the revolutionary vigilance at all times. Qu'il fallait veiller à être vigilant vis-à-vis de la révolution à tout moment. One day I remember when I received a telephone call. Avoir reçu un appel téléphonique. While I was busy talking on the phone with Et Son Sen, and after that, he asked me. Par la suite, he said, "Doi." Il m'a demandé. Brother Paul would Doi. Like to see where the grenades were thrown. Où est-ce que les grenades ont été lancées? He wanted to see when the people Il voulait savoir. Threw grenades in the contest, and that he asked Quand whether we should go or not. Les grenades dans le cadre d'un concours et à savoir si nous devions y aller. And then I said, well, it's up to him, since he would like to go there, let him go. S'il souhaitait y aller, il pouvait y aller. Then, Son Sen said, Ensuite, did you even think of the event, for example, when the person who did not throw the grenade to the front but throw it backward? Il y avait des gens qui pourraient lancer des grenades non pas vers l'avant mais vers l'arrière. I therefore can see that he
Et donc was j'ai pu suspicious, and he had what we one way call him the person with paranoia. Et qu'il était paranoïaque, si je peux utiliser ce terme. Oui. That's all my explanation concerning the voilà first phrase. Voilà l'explication que je peux vous donner s'agissant de cette première phrase. Bien, je vous remercie. Ce n'était pas aussi clair que ça dans la version française. Donc, vous pouvez penser que c'était la manière d'utiliser le PCK pour se protéger lui-même, qui pouvait être direct, indirect, ouvert ou secret. Donc là, vous précisez bien que c'est la manière dont les ennemis pouvaient s'attaquer au parti. Donc, ce n'était pas la même chose. Donc, on va passer à une autre question. Il y a dans les statuts des dispositions concernant les qualités ou les qualifications que doivent présenter les candidats pour être membres du parti. Ou il s'agit du chapitre 2, membres. Pour être admis aux différentes encarts dirigeantes du parti. Qu'est-ce qu'une encart dirigeante du parti? Or a party core organization, we can say. What is a party core organization exactly? Response, Your Honor, the leading party is classified into its hierarchical order. For example, the leading party of branches. Il y avait les partis qui dirigeaient les branches ou les antennes. Leading party has its own structure and status, and the lowest was the leading party of a branch. Le parti dirigeant le plus bas, au niveau le plus bas, c'était le parti dirigeant de l'antenne, d'une antenne. I never used the word as the interpreter. Je n'ai jamais utilisé le mot antenne tel que l'a fait l'interprète. What I am saying is that. Mais ce que j'essaie de dire. The queue in French. De cellule, de groupement de cellule. Cell member in French. Donc membre de cellule. Higher is the committee for sector. Ensuite, au-dessus de la cellule, il y a le comité du secteur. And on top of the committee of the sector is the committee for each zone or zone Ensuite, committee. Il y a le comité de zone. Then the central committee. Ensuite, il y avait of the party. Le comité central du parti. But the root of it is at the branches of the party at the base, which is Mais the root à la base, of qui est la racine, the party. Qui sont les racines mêmes du parti. Au niveau de la base. In French, we say cellule. En In français, English, on utilise le mot cellule. The party's branch. Alors en anglais, on dit la branche du parti. Some
I would like to also remind how cadres are recruited and the criterion in recruiting. Et quel était le critère utilisé? The statute of 1970 already contained the 10 criteria for selecting cadres. Les 10 conditions d'admission pour sélectionner les cadres. Before that, they used the statute of 1960. Avant, ils utilisaient les statuts de 1960. In which there was clear stipulation, as I already learned during the secret training comme je l'ai appris dans le cadre de la formation session. Secrète. Any comrade who entered as the full tri-party member, the party consider the party seniority. Tenez compte de l'ancienneté. For example, if any comrade had been members of the party si for 10 years, était membre du parti depuis 10 ans, any comrade have a seniority of the party for 10 years, then the party consider for the position the membership of the central committee. Et donc à ce moment-là, on pouvait envisager qu'il devienne membre du comité central. The party statutes in 1970 abolished that and adopt the 10 criteria I have just said. Des 10 conditions d'admission dont je viens de faire mention. Therefore, it is a facade where Pol Pot is created to protect any party member. Utilisé pour protéger les membres du parti. As a facade, as a filter to protect façade, from any party filtre, member who not trusted to get into the central committee of the party. Pour se protéger des membres du parti qui ne devaient pas être admis au comité central. This is the measure to protect the party of voilà it of another kind. Voilà les mesures pour protéger des autres. And for the 10 criteria addressed by Your Honor, les 10 conditions d'admission dont vous avez fait mention, Monsieur le Juge, were is the way the selection of the branches, including the sector committee, and cellule, including the zone, and also secteur, the central committee, zone, the member for those committees. Du comité central. I would like to respond to Your Honor's question for that. Voilà, j'ai répondu à votre question. Interpreter would like to make one correction first. Alors pour la clarté des débats, je vais donner lecture was not party core organization, but party leadership organization. Judge Taverne. Pour la clarté des débats, je vais donner lecture de ces 10 conditions dont vous nous avez dit qu'en fait elles étaient une façade et qu'elles servaient à Pol Pot à filtrer entre ceux qu'il voulait voir admis au comité et ceux qu'il ne voulait pas voir. Première condition, donc je résume en fait, avoir
une ferme position révolutionnaire dans la voie du parti. In the party line. Deuxième condition, condition avoir une ferme position révolutionnaire dans la mentalité prolétarienne du parti. Ideology. Troisième condition, avoir une ferme vision révolutionnaire dans la solidarité, l'unité du parti. Quatrième condition, avoir une ferme position révolutionnaire dans la décision, la direction et le travail du parti. Avoir une ferme position révolutionnaire dans la vigilance révolutionnaire du parti, le maintien du secret et de la protection des forces révolutionnaires. Sixième condition, avoir une ferme position révolutionnaire dans l'indépendance, l'autonomie, le fait de compter sur ses propres moyens et la maîtrise de ses propres forces au sein du parti. Septième condition, une ferme position révolutionnaire dans l'élaboration et le contrôle des biographies et des autocritiques révolutionnaires. Huitième position, avoir une ferme position révolutionnaire en termes de classe. Dixième condition, la possibilité d'auto-édification et de futures responsabilités de direction. Alors, est-ce que ce que je viens de lire en français correspond à ce qui est dans la version Khmer? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications par rapport à ces termes qui sont parfois un peu difficiles à comprendre? The translation in French, as you read out, la traduction is correct in principle, exact. As it is. En principe. First, strong revolutionary stance on the party political line. Une ferme position révolutionnaire de la position du parti ou de la ligne du parti. The strong revolutionary stance. Le fait d'adopter une position révolutionnaire ferme. The political line is the clear division between la ligne politique, the parties and the enemies. C'est la division entre eux. C'est la ligne qui permet de marquer une démarcation entre le parti et l'ennemi. And this is one example, and in the ça, other instance, it's we et cela peut aussi implement être, the left. Utiliser ou interpréter. And right. On avait la droite et la gauche. The word left and right are shortcut in general, as the communist parties would say. Ce sont des raccourcis qui sont utilisés par le Parti communiste. The opportunist leftist and the opportunist rightist. Et on avait donc les gauchistes opportunistes et les membres de la droite qui aussi étaient opportunistes. So this is the first criterion
as I already explained. Donc ça, c'était le premier critère, comme je l'ai déjà expliqué. Regarding the word leftist and rightist, pour, I think only when we had to follow every word, every action, that we could not be perceived as being leftist or rightist. Il fallait qu'on suive la ligne du parti et que nous ne soyons perçus ni comme gauchistes ni comme étant membres de la droite. For example, if we demanded for a more arrest, si l'on demandait à ce qu'il y ait des arrestations supplémentaires, so it suggests that we were leftist. On aurait pu penser que nous étions gauchistes. If we did not want people to arrest anyone at all, et si then nous we ne were regarded que as the rightist. Ne soit arrêté, alors on considérait que nous étions de droite. They tried very hard to work and we stay home did not do anything, dur. Then we were regarded as the rightist. Alors, si on restait à la maison et qu'on ne faisait rien, à ce moment-là, on était aussi considéré comme étant de droite. Aye. And at some units, they tried to show off, they carried unités, a sick person de, who lied in the hammock to see people who were carrying dirt. They took them to see people who were digging up and carrying dirt, and even forced the sick people to do their work. So we were then regarded as the leftist. Et si on agissait de cette manière, on était considéré comme gauchiste. Next, you will see the example as related to this matter in the proceedings. Pour pouvoir illustrer ce point. This is called the strong stance. We had to be vigilant at all times and to identify who enemy and who were pour identifier friends. Qui étaient nos amis et qui étaient nos ennemis. We tried to avoid having our superior regarding us as leftists or the rightists, otherwise we would not be safe. Comme gauchiste ou de droite, sinon on pouvait se retrouver dans une situation difficile. So this is the big or major principle donc of how the cadres principe, are selected. Principe, principal qui faisait partie des conditions d'admissibilité des cadres. Est-ce que cela signifie que des membres du parti qui mettaient trop de zèle members à appliquer la ligne même du parti étaient considérés comme gauchistes? Were considered to be je comprends leftists. Pas très bien. I don't quite understand. L'accusé. The accused, the people who extremely apply the les task by way of intimidating the mass would be considered as règle était considéré comme people who in their actions radically exercised the duty to make the general public hate them. Radical, provoquer la haine des autres personnes.
were regarded as the leftists. Donc comme des gauchistes. In Khmer, to be simple, we may say, pour simplifier les choses, to burn until it brûler jusqu'à until it's too burned, jusqu'à ce que ce soit trop brûlé. To withdraw or to take it back until it is undone. Et il faut le retirer du feu jusqu'à ce que on puisse enlever, pour que l'on puisse enlever le brûlé. Est-ce que le parti a purgé des gens qui se seraient montrés trop extrêmes? Ou bien est-ce qu'en réalité la seule question qui se pose est de savoir si un bon dirigeant est d'abord quelqu'un que l'on peut contrôler, quelqu'un qui va appliquer d'une façon parfaitement sûre be counted on to apply what he is asked as much as possible. Response. Réponse. Your last question is correct. Votre dernière the question good, est tout leaders, à fait pertinente et un des bons dirigeants, des bons meneurs were those who ceux did not do simpler things, but did not miss, ne faisaient pas de trop, mais did not fail to complete what had been assigned. Qui faisaient ce qui avait été ordonné et qui le faisaient sans faillir. So that's the main purpose. Whatever we were assigned to do, then more or less we have to make sure that we follow. On nous ordonnait de faire quelque chose, on devait s'assurer de suivre les instructions. Donc, cela, c'est pas de la façade. Ça, c'est bien quelque chose qui était exigé. This is something that was required then. Response. I think the translation of the term facade, as I said in Khmer, would not be the correct term, as I meant to say. Ce serait pas le terme qu'il faudrait utiliser, comme je l'ai dit. When I heard that my word was translated as facade, then I changed to use the word like barrier or a kind of filter. Pour préférer le terme barrière ou filtre à ce terme façade. Vous-même, vous avez été soumis à ce filtre, à ces 10 critères. Est-ce que vous pensez que vous les avez bien remplis et pourquoi? Did you fulfill them? And if so, why do you think you did? Response. Each party's member with the origin class which was not from the peasant class and who had no relation with the key people or important people. Relation avec des personnes proéminentes. Importante. Had to work hard to make sure that we could follow the 10 criteria as set out, de se conformer, de répondre aux 10 critères d'admissibilité tels qu'ils avaient été fixés. Et en particulier, il s'agit ici des 3 premiers critères. However, although we had been working hard to
obey that rule or that criteria, we were not part of their network, then we would not be promoted. Bien, si on ne faisait pas partie de ce réseau, eh bien, la promotion nous échappait. Having noticed that, lorsque j'ai remarqué then we also ceci, heard that, bien, nous avons they en parallèle even talked to us that ils nous l'ont même dit, regard yourself as the si pure vous, gold, vous considérez comme étant fait d'or pur. So you had to be, you had to remain neutral vous and not to intervene neutre. Other people or disturb vous other people. Vous ne deviez pas intervenir ou déranger les autres personnes. That is why I called it a kind of filter that only people with their networks were promoted and those who were not in the network were left isolated. Et ceux qui ne faisaient pas partie de ces réseaux étaient laissés de côté. If we were not part of the their clan, then whatever clan, we did, they never satisfied. Quoi que nous fassions, eh bien, on n'arrivait jamais à répondre aux critères. Et vous, vous faisiez partie de quel clan? Du clan de clan Sonsen? Were you a part of Sonsen's clan? Réponse. I could be regarded as on the me considérer as what you said. Comme faisant partie du clan de Sonsen, comme vous l'avez dit. However, cependant, when Sonsen went to the battlefield, Sonsen est allé au combat. Pour Nun, Uncle Nun. Oncle Nun. Nunchia arrived. Est arrivé. There was some confessions in which implications against Uncle Nun. Sonsen. Correction from the interpreter. Implications against Sonsen appeared Sonsen in those confessions already. Était impliqué dans certains aveux. So, for that reason, I could not be regarded as the person who belonged to other clan other than être considéré comme Sonsen. Partie de notre clan que celui de Sonsen. And this is the real situation, and I et never been promoted to the central committee. Au comité central. Never. Jamais. But I never wanted to be promoted to that mais post anyway. N'aurais jamais voulu être promu à un poste au sein de ce comité, de toute façon. I only beg for my life, and I was very scared at that time I would not live long enough. Que je sois épargné, que ma vie soit épargnée, et j'avais peur de ne pas vivre longtemps. Parmi les documents qui servaient à diffuser la ligne politique du parti, il y avait des revues, notamment une revue qui s'appelle Le Drapeau Révolutionnaire. For instance, the Revolutionary Flag. Et notamment, il y a un numéro spécial qui commente les statuts.
Alors, il s'agit du document qui figure au réquisitoire introductif. C'est le document 11-10. That is document 11. Les numéros de RN dans la version française sont les suivants: 00-29-61-48 à 00-29-61-57. Est-ce que vous pouvez nous dire qui rédigeait cette revue, si vous le savez? Et à qui elle était destinée? Who wrote the information in these issues and for whom was it written? Response. I would like to report on that matter as follows. J'aimerais vous the internal magazines included Two magazines. Interne comprenait deux volets, deux magazines. First, the revolutionary flag. Le drapeau révolutionnaire. Written by Pol Pot. Écrit personally. Par Pol Pot. Personnellement. And the Revolutionary Youth Magazine, et I only learned at a later date that je n'ai appris que plus tard Yon Yat, the wife of Son Sen, wrote femme it. De Son Sen, c'était elle qui écrivait ce magazine. The Revolutionary Flag Magazine. La revue Le Drapeau Révolutionnaire. I did not know when the name was given. At the beginning, there was the name of such the same magazine called Red Flag. Au début, il y avait une revue qui s'appelait Drapeau Rouge. Then after 1970, après the 1970, Red Flag magazine was converted into the Revolutionary Flag magazine. La revue intitulée Le Drapeau Révolutionnaire. The direction or objective of that magazine was to educate members, a party of the members by Pol Pot through such medium. Par Pol Pot, par le biais d'un tel support. As for the Revolutionary Youth magazine was aimed to educate young men and women who were not yet entering the revolution. Les jeunes hommes, les jeunes femmes qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore rallié les rangs de la révolution. Who were not yet who have not yet entered the party. Qui ne faisaient pas encore partie du parti, qui n'était pas encore membre du parti, the party. Qui n'avait pas encore rejoint le parti, reprend l'interprète. That's all about the explanation concerning the magazines. Ce qui m'amène à la fin de mon explication s'agissant de cette revue. Donc, dans la revue que j'ai citée tout à l'heure, il est question notamment de la discipline du parti, notamment de la discipline concernant l'admission ou le limogeage de membres du parti. Et il est dit ceci: raisonner avec les sentiments, c'est impossible. Il faut uniquement raisonner selon les principes reasoning du parti. Must follow only. Alors, est-ce que c'est une phrase que vous avez déjà lue ou entendue? Est-ce que vous pouvez la commenter? Can you make any comment on it? Né.
Response. La réponse. This is the principle that I applied in the CPK as a whole. C'est le principe que j'ai appliqué dans l'ensemble au PCK. Whenever any consideration was made, it has to be based on the party line and principle. Il fallait baser la réflexion sur les principes généraux du parti. I would like to make that just short response like that. Je voulais simplement limiter à cela ma réponse. Bien, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions concernant le contexte de la mise en œuvre de la politique du PCK. Ce que je suggérerais maintenant, c'est que nous puissions travailler à partir du document concernant les faits qui ont été acceptés par l'accusé, qu'on puisse lire la partie concernant la mise en œuvre de la politique du PCK et après chaque paragraphe de laisser un temps à l'accusé pour nous dire s'il confirme ce qu'il a accepté ou s'il a des observations à faire et éventuellement pour lui poser quelques questions pour clarifier s'il y a lieu le fait tel qu'il est mentionné dans ce document. Voilà, donc ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est que vous puissiez demander au greffier de lire ce document paragraphe par paragraphe. The president, parties are instructed to bring out the agreed facts to be examined, and we would like the defense counsel also to prepare the related documents so that you can review them. The accused, do you have the agreed facts now with you? The defense counsel, could you please make sure that the accused have the copies of the agreed facts? Now we only focus on the facts regarding the implementation of the CPK's policy at S21. Suivant, mise en œuvre de la politique du PCK à S21. Next, Judge Lavergne. Monsieur le juge Lavergne. Please hold on, says the president. Wait until the accused has prepared his documents and at the ready. The president, is the accused ready? Are you prepared now? Est-il prêt? Oui. The president, are you prepared, the accused, the document Monsieur regarding the agreements on the fact? The accused say that he has already received the documents and ready. The president, Judge Lavergne, could you Monsieur please instruct the greffier to read any related paragraph, should you wish to do so? Lire tel paragraphe selon vos instructions.
The president, should we start from paragraph 58? Voilà. Donc, nous pouvons commencer la lecture. Je pense qu'il serait mieux de lire à partir de la version cambodgienne. Donc, si un des greffiers cambodgiens pouvait lire à partir donc de du chapitre la politique d'écrasement des ennemis. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'il soit donné lecture de chaque point. Donc le point 58, ensuite on donnera la parole à l'accusé, on repassera ensuite au point 59. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc je pense que les greffiers peuvent commencer la lecture. The greffiers can start reading the document. The President, Mrs. Sai Kolwati, you can now start reading each paragraph at a time, and then we need to make sure that the accused can verify and confirm before we proceed to the next following paragraph. À l'accusé, après lecture par paragraphe de ce document, the greffier, paragraph 58, the primary role of S21 was to implement the party political line regarding the enemy, according to which prisoners absolutely had to be smashed. En vertu de laquelle les prisonniers devaient impérativement être écrasés. Voilà. Est-ce que vous confirmez votre accord? There was no translation into English. What Judge Lavergne said was, do you confirm? Il n'y avait pas de traduction vers l'anglais. Alors. Nous n'avons pas eu de traduction. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement si vous êtes d'accord, si vous confirmez que vous êtes d'accord ou pas? Tell us please if you confirm that this is true. The accused. L'accusé. Paragraph 58 is true. Le paragraphe 58 reflète la vérité. Bien, donc on va passer au paragraphe suivant. Judge Lavergne, we move on to the next paragraph. Paragraph 59. The term smash was used and widely understood at the relevant time to mean kill. Comme voulant dire tuer. Alors, vous avez. Vous avez déjà expliqué sur cela, mais est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu d'autres termes qui ont été utilisés que le mot écrasé, mot purifié ou d'autres mots? Other words such as purify, for instance. Réponse. The term Le terme smash écrasé was used to mean equivalent as the word execute comme voulant dire before 1973 Warren Wade brother Warren asked me to use the word resolve m'a demandé d'utiliser le terme en anglais resolve en français régler résoudre. Resolve, smash, execute are all the same. Résoudre, écraser, exécuter, tous ces termes sont les mêmes. A person was executed and buried. Une personne était exécutée et enterrée. As for the word purify, pour ce qui est du terme purifier, it has other aspects other than
this, ce terme a d'autres connotations. A person is arrested. Ce que je viens de décrire. Une personne est arrêtée. When the person was decided to be arrested from the unit and sent to the police office. Lorsque cette personne est amenée dans un bureau, dans un centre de police. This is called purge. So people who were in the unit and who were regarded or accused as being enemies were ou accusés d'être des ennemis, and removed from the units. Et on les prélevait de l'unité. To do that was to make sure that the units are pure and clean according to their notion. La pureté et la propreté de l'unité selon cette notion. Voilà, donc je pense qu'on peut poursuivre la lecture avec le point 60. The greffier. La greffière. Paragraph 60. Paragraph 60. Every prisoner who arrived at S21 was destined for execution, condamné à être as the general policy was that no prisoners were to be released. La politique générale était que aucun prisonnier ne puisse être libéré. The accused, accusé. Paragraph 60 is confirmed. Je confirme la véracité du paragraphe 60. Alors, nous pouvons poursuivre. Judge Lavin, so we may continue now. Paragraph 61. Paragraph 61. Even prisoners who were brought to S21 by mistake were executed in order to ensure secrecy and security. Et la sécurité. Voilà, vous pouvez peut-être lire la suite du commentaire. So you might read the rest of the comments, which will allow us to get a better idea of what the accused is thinking, says Judge Laverne. Here we add some phrases extracted from paragraph 31 of the closing order. Although there are two civil parties and one witness who said that they could escape from S21, the evidence, the majority of evidence, still proves that the policy at S21 does not spare any life of a prisoner. Les éléments recueillis démontrent dans leur immense majorité que la politique mise en œuvre à S21 consistait à ne libérer aucun prisonnier. Ce point est confirmé par le fait que, selon certains témoignages, 3 points suspension. The co-prosecutor, say the president, you can take the floor. Le president. Thank you, Mr. President. I know we're nearing the break. I believe that the wrong paragraph in the comment was just read out. As I understood it, paragraph 60 of the agreed facts also contains a qualification from the accused. We didn't hear that after paragraph 60. We heard it after paragraph 61. So, in fact, we should perhaps go back to paragraph 60 par l'accusé and read the qualification of the defense after that particular paragraph. Après la lecture du point 60, paragraphe n'avait pas été lu. Il a été lu cependant au point 61. Cependant, je pense qu'il s'agit du mauvais paragraphe qui vient d'être lu. Si l'on peut revenir à ce point, à savoir le paragraphe qui suit le point 60. Hello, the president. It is more intense now, I think.
think the chamber may now take a 15 minutes break to release the attention and then we can resume from the point which needs a clarification from the accused. So we now adjourn for 15 minutes. We resume at 3:15. Et nous reprendrons les débats à 15h15.